Tudo bem, gente? É prazer, meu nome é Milena Pedrosa, sou gestora desse lindo espaço, com muito orgulho, sejam bem-vindos. Rapidamente, eu só vou falar para vocês que esse é um evento especial do Literaturas, Questões do Nosso Tempo, em comemoração aos 5 anos do Sesc Paládio, que nós estamos fazendo no mês de agosto. A gente trabalha aqui no Paládio com conceitos mensais das atividades. Esse mês de agosto é Palavra nas Artes. A gente está com uma programação muito voltada com este tema. Esse projeto, Literaturas, Questões do Nosso Tempo, ele já existe há 4 anos. Já aproveito para convidar vocês, tem uma colinha minha aqui, para a próxima edição, que é dia 26 de outubro. Com o professor e poeta Sérgio Alcides e a Cláudia Roquette Pinto, discutindo poesia e filosofia. Esse projeto, na verdade, ele tem esse conceito de discutir história, filosofia e a literatura. Então, eu acredito que vocês vão aproveitar muito esse projeto, essa data especial que a gente está tendo aqui com os convidados, com o Robert Darton e o Roger Chartier. E para falar que a curadoria desse projeto é com a nossa analista, a Lídia Mendes, juntamente com a curadora convidada, que é a Guiomar de Caramonde. Então, vou chamar os convidados, sejam todos bem-vindos, aproveitem a noite. Por favor, Guiomar. Boa noite. Nós estamos muito felizes em receber vocês em mais essa edição do nosso Literaturas, Questões do Nosso Tempo, do qual eu faço curadoria junto com a querida colega do Sesc Paládio, Lídia Mendes. E esse é um dos eventos mais importantes, né, se não o mais importante, que nós já trouxemos para esse ciclo. Eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados da noite, não é? Eu tenho aqui Roger Chartier, aplausos, mais uma vez. Bom, além de ter sido meu orientador, com muita honra, Roger Chartier é nascido na França, é um dos mais importantes historiadores do mundo, especialista na história dos livros e da leitura, professor no prestigiado Collège de France, directeur d'études na École des Hautes Études en Sciences Sociales e Annenberg Visiting Professor na Université of Pennsylvania. Seus livros mais recentes em português são A Mão do Autor e a Mente do Editor, da Unesp, de 2014, Cardenio ou Cardenio, entre Cervantes e Shakespeare, História de uma Peça Perdida, da Civilização Brasileira, de 2012, O Sociólogo e Historiador, que saiu aqui pela Autêntica, em 2011, com Pierre Bourdieu, A História ou a Leitura do Tempo, que também saiu pela Autêntica, em 2009, Inscrever e Apagar, Cultura Escrita e Literatura, do século XII ao XVIII, que saiu pela editora Unesp, em 2007, Os Desafios da Escrita, que saiu pela Unesp, em 2002, e Do Palco à Página, Publicar Teatro e Ler Romances na Época Moderna, dos séculos XVI a XVIII, que saiu pela Casa da Palavra, em 2002. Bem, então, à minha esquerda, eu tenho Robert Darton. Aplausos, por favor. Gente, é histórico esse encontro, hein? Histórico, vocês sabem disso, né? Que reuni-los é realmente um privilégio maravilhoso que a gente está tendo aqui em Belo Horizonte essa noite.
Robert Darton, nascido nos Estados Unidos, formou-se na Universidade de Harvard, em 1960, e na Universidade de Oxford, onde teve, né, o grau de doutor em 62, 64, em filosofia, onde foi bolsista da RHODES, uma das mais prestigiadas bolsas para não-britânicos. Após uma breve passagem como repórter do The New York Times, ingressou no prestigiado grupo de estudiosos da Harvard Society of Fellows. Lecionou em Princeton, de 1968 até 2007, quando se tornou professor da Carl Pforzheimer University e diretor da Biblioteca da Universidade de Harvard. Robert Darton tem sido professor visitante e membro de várias universidades e institutos para estudos avançados. Entre atividades externas, ele foi presidente da American Historical Association e da Sociedade Internacional de Estudos do Século XVIII. Entre as honras recebidas, entre outros, estão a Medalha Nacional de Ciências Sociais, conferida pelo presidente Barack Obama em fevereiro de 2012. Ele escreveu e editou muitos livros, incluindo The Business of Enlightenment, A Publishing History of the Encyclopedia, em 1979, uma primeira tentativa de desenvolver a história dos livros como um campo de estudo. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, que é provavelmente a sua obra mais popular, de 84, que foi traduzida para 19 idiomas. Seus últimos livros são The Case of Books for Books, de 2009, The Devil in the Holy Water, or The Art of Slander in France, from Louis XIV to Napoleon, né, de 2009, Poetry and the Policy, Communication Networks in 18th Century, Paris. E agora, recentemente, Censors at Work, How States Shaped Literature, que é de 2014, e está sendo lançado no Brasil, né? Então, esse livro vocês podem ler em primeira mão, está sendo muito comentado agora, né? Bom, eu passo a palavra para Roger Chartier. Sim. Por um momento. Sim. Algumas palavras em português antes de começar nossa conversação em francês. É um grande prazer para Robert Darton e para mim poder compartilhar esta tarde com vocês no CESC de Belo Horizonte. Sabemos ambos que para o Brasil, estes momentos são tempos muito difíceis, muito penosos. Queríamos expressar nossa solidariedade com os cidadãos deste país, um país que conhecemos e queremos. Sabemos que há muito que temer agora, mas sabemos também que um encontro como este encontro dá oportunidade para propor ideias, trocar conhecimentos, confrontar opiniões no espaço público. E um evento como este evento permite compartilhar não só as mesmas ansiedades, senão também as mesmas esperanças na cultura compreendida como uma poderosa força simbólica, como um instrumento crítico e como
o direito à cidadania para cada Obrigado. Merci, je vous remercie, Roger Chartier et Robert Darton. Je crois que dans ces remerciements, j'expresse aussi le sentiment de tous qui sont là, n'est-ce pas? Nous sommes aussi dans cet esprit en ce moment. Bon, je passe aux questions, eu vou passar as questões, eu vou colocá-las em francês, né? E não sei se repito em português rapidamente para vocês, pode ser, né? Bom, eu coloco primeiro em francês, depois faço um breve resumo em português para todos entenderem, tá? Jean-Claude Carrière e Umberto Eco ont discuté les transformations du livre dans le monde numérique et en ont conclu que le numérique ne remplacera jamais les codex. Darton a aussi rappelé des exemples de médias résistants aux changements opérés par les développements techniques comme la radio, la télévision, etc. Mais qu'en pensez-vous? Les codex résistera-t-il même après la totale diffusion du numérique? Essa pergunta se refere à ideia de morte do livro numérique. É o e-book, que a gente chama o e-book, né? Assim, o livro, segundo Umberto Eco e Jean-Claude Carrière, num livro muito vendido no Brasil, muito lido, né? O livro em papel, o códex, não vai desaparecer nunca, não é? Então, eu pergunto a eles o que, que eles pensam. O e-book vai substituir o códex? É isso. Bom, je vais tâcher de répondre à cette question. C'est une question que j'entends tous les jours. Ça commence par une sorte de lamentation, le livre est mort. C'est faux. Aux États-Unis, on publie plus de livres chaque année que l'année précédente. Dernièrement, il y en avait plus de 300 000 nouveaux titres et les e-books ont baissé de 10%. On peut en parler plus tard, mais c'est très loin d'être la mort du livre. Deuxième point, les bibliothèques sont périmées. Bon, je suis directeur d'une très grande bibliothèque de Harvard, 20 millions de volumes, etc. Nous trouvons que nos salles de lecture sont bourrées. Et dans les bibliothèques publiques, on constate une augmentation des visites. Les bibliothèques publiques aux États-Unis prospèrent, c'est plein de monde. Mais les services proférés par les bibliothèques ont beaucoup évolué et on peut en parler davantage. Troisième point, toutes les informations se trouvent sur l'Internet. Encore, c'est faux. L'Internet ne possède qu'une petite minorité des livres imprimés, des manuscrits, des images, des concerts, musique et des films. Je pense que l'Internet, c'est merveilleux, mais c'est très loin de tout contenir. Quatrième point, et puis je m'arrête, nous vivons dans l'âge de l'information, comme si les autres âges, les autres époques n'avaient pas d'information. À mon avis, chaque âge est un âge d'information d'après les médias de cette époque. Si vous prenez ces quatre points, c'est comme un ensemble
qui font une fausse conscience de notre situation actuelle. Je ne dis pas que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, etc., mais pour bien s'orienter dans le nouveau environnement du numérique, je pense qu'il faut mettre à côté ce raisonnement simpliste. Mais on peut donc entrer dans des détails, et je pense que Roger a bien des idées sur la non-mort du livre. Donc je te passe la parole, Roger. Je voudrais pouvoir partager l'optimisme à la fois d'Umberto Eco, de Jean-Claude Carrière, et celui plus nuancé, mais néanmoins réel, de Robert Downton. Et ils ont pour eux un argument fort. Le livre résiste. Le livre imprimé résiste. Dans les marchés du livre, même aux États-Unis, où il représente 20% de la totalité du marché du livre, et vous savez qu'en Europe, c'est en général moins de 5%, voire moins de 3%, et de plus, comme l'a signalé Bob, il y a ce recul dans les années 2014 et 2015 du livre numérique. Donc il y a des arguments forts. Le livre n'est pas mort et il se porte au mieux. Mais il y a aussi des diagnostics plus ambigus. Le premier porte sur le fait que les institutions de la culture imprimée dans laquelle se trouve placé le livre sont toutes face à des difficultés, voire une situation de crise. En Europe, les librairies subissent très lourdement la concurrence d'autres formes de vente du livre imprimé, en particulier la vente électronique, et tout le monde connaît les conquêtes ou les ambitions d'Amazon. Les journaux, qui étaient un des piliers de la culture imprimée et qui ne sont pas sans rapport avec le livre, puisqu'ils peuvent être les lieux où on parle des livres, où on discute les livres, connaissent de grandes difficultés. Et on avait aux États-Unis, dans ces dernières années, plusieurs journaux très importants abandonner leur édition imprimée pour ne plus publier qu'une version électronique. Et on y reviendra, mais les bibliothèques, on peut avoir la tentation, lorsqu'on découvre la possibilité de la reproduction numérique des textes imprimés, de reléguer les collections imprimées à une certaine distance des lecteurs pour gagner de l'espace et redistribuer l'utilisation des lieux. Il y a donc des diagnostics assez complexes, ambivalents, ambigus. Je crois qu'il y a quelque chose de plus, et ce qui fait que Robert Downton a raison de dire que ce thème est un thème qui commence dans les années 90. Donc cette mort du livre, si elle a lieu, c'est une très lente agonie. Ce qui change, ce n'est pas forcément ni la question ni la réponse à la question, mais c'est les transformations profondes du monde social par le numérique, puisque l'on est dans une situation aujourd'hui qui n'était pas celle des années 90, avec de nouveaux objets, qui sont les objets du quotidien numérique, les smartphones, les iPhones, les tablettes, avec de nouvelles pratiques dans tous les domaines de l'existence, que ce soit ce domaine des échanges entre les individus, des relations avec les pouvoirs et les administrations, le monde du marché et du commerce. Il y a une numérisation profonde de tout ce système de relations. Et il y a aussi, plus fondamental peut-être, une transformation des expériences et des catégories qui permettent de désigner les expériences. L'amitié, l'individualité, l'identité, l'intimité, l'espace public, toutes ces notions traditionnelles qui remontent à la plus grande philosophie antique se trouvent profondément transformées par leur forme numérique. Et je crois que l'on ne peut pas isoler les diagnostics ambigus, ambivalents sur le livre de cet ensemble des numérisations, de digitalisation des rapports sociaux dans tous les moments, dans toutes les expériences, dans tous les lieux de l'existence. Et du coup, les pratiques qu'implique cette numérisation du monde social, on dit digitalisation en portugais, numérisation en français,
ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la relation avec la culture imprimée et avec le livre. Et c'est pour ça que je conclue, mon optimisme est plus nuancé. Bien sûr, il peut y avoir une coexistence qui masque peut-être aujourd'hui la radicalité, c'est un autre thème de notre conversation, de la conversion numérique. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que dit Robert Danton dans son petit livre, ici j'ai la version française, des objets disparaissent. La machine à écrire, la carte postale, la lettre manuscrite, je l'ai dit, le journal quotidien, la librairie de quartier. Donc il y a aussi des morts. Et quand il n'y a pas mort, mais coexistence, c'est avec une très profonde redéfinition des objets ou des pratiques anciennes dans le monde nouveau. Les rouleaux de l'Antiquité ont pu survivre marginalement dans une autre forme et pour des usages très limités au temps du livre codex, le livre de feuillets, pages, reliures. Les pratiques de la publication manuscrite ont pu subsister à l'âge de Gutenberg, mais avec des fonctions et des lieux spécifiques. Et on pourrait dire la même chose de la radio au temps de la télévision ou de la télévision au temps d'Internet. Il y a donc, pour le moins, une profonde transformation, redéfinition et parfois de véritables disparitions. Et c'est pourquoi je ne veux pas à l'optimisme substituer une vision pessimiste, mais en tous les cas une vision d'incertitude, de difficulté à comprendre les tensions, les contradictions entre différents indices et surtout, reprenant une idée de Pierre Bourdieu, un livre change non pas parce que son texte change, mais parce que le monde change. La transformation du statut du livre imprimé dans un monde numérique qui n'est plus en 2016 ce qu'il était lorsque l'on a commencé à aborder ce thème dans les années 90. Bon, mais j'ai voulu protester contre les jérémaïdes simplistes. J'ai trouvé un essai de Walter Benjamin des années 20 où il dit « le livre va mourir dans 5 ans », etc. Non, il ne faut pas simplifier et je pense que nous autres historiens du livre, nous sommes d'accord que un médium ne chasse pas un autre, n'est-ce pas? La radio n'a pas détruit le journal, le cinéma n'a pas été détruit par la télévision, l'Internet n'a pas détruit la télévision, etc. Ce qui a lieu, et cela quasi toujours, c'est que toute l'écologie change. Et c'est vrai, aujourd'hui, tout l'environnement du livre a changé grâce à la numérisation. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais je vois que vous êtes très jeune. Il y a beaucoup d'étudiants parmi vous, etc. Et un problème qu'on n'a pas mentionné, mais qui vous concerne, c'est ce qu'on appelle en anglais digital natives, des gens qui sont nés déjà dans un monde numérisé, qui ont eu de l'expérience avec les écrans électroniques dès le début, même avant de pouvoir lire. Donc vous êtes en grand nombre des digital natives et vous lisez souvent des textes qui sont nés numériquement. Digitally born texts. Ça, c'est différent. C'est un ensemble de présupposés et même une orientation envers les textes qui est très différent du monde où Roger et moi sommes nés. Donc, il faut prendre compte de ces changements importants, mais dire que le livre ne va plus exister, c'est très loin d'être le cas. Antes de passar à próxima questão, eu quero me desculpar com vocês, por eles, porque nós não vamos abrir para o público.
colocar questões, porque amanhã eles já partem muito cedo para a Bienal de São Paulo, eles vão abrir a Bienal de São Paulo. Então, e também, porque certamente, com 1.000 pessoas aqui, muitos deixariam de ter respondido as suas questões. Então, antes, gostaria, né, de me desculpar com vocês por isso. Mas a gente, esse diálogo, certamente, vocês continuarão lendo os livros deles. Né? Há muitas maneiras, né, de conversar, né, com o autor. E, bom, então, a segunda questão, eu já passo a ela em francês. Une question qui se pose assez fréquemment dans vos textes, chers amis, elle a tendance à sujetter aussi au caprice du hasard de l'humanité de sélectionner les textes qui resteront et ceux qui seront effacés par l'histoire, par le temps, car il est impossible de tout sauvegarder dans les supports qu'on connaît jusqu'à la diffusion du livre en codex. À votre avis, le numérique élargira la possibilité de sauvegarde du savoir accumulé par l'histoire, l'idée de la République des lettres, de l'humanisme dont vous parlez, Danton, ou, au contraire, la tendance à l'effacement sera plus forte et plus dangereuse. C'est là ma question. Ah, para vocês, em português. Eu pergunto sobre essa tendência da humanidade, né, da história, de selecionar, né, aquilo que ficará e aquilo que será apagado. Faço referência, sobretudo, ao livro do Roger, né, Esquecer e Apagar. Né, que é um livro maravilhoso. Né, e eu pergunto, então, o que vai acontecer com o e-book, né, com essa nova possibilidade aberta pelo e-book? Esses conhecimentos, isso vai aumentar a possibilidade da humanidade de guardar os conhecimentos? E o Darton fala muito bem disso no livro dele, A Questão dos Livros. Né? Ele fala do Google, do esforço do Google de digitalizar todos os livros, né? E como que isso encontra certas resistências, né? A questão dos direitos autorais, que é uma questão que está relacionada com outro tempo, né? Da nossa... Estou ampliando a questão. Pardon, mes amis. Então, ou essa tendência ao apagamento, né, dos conhecimentos será ainda mais forte, mais perigosa diante dessa possibilidade de digitalização, uma vez que, provavelmente, ela vai ficar em poucas mãos. Nesse novo mundo, tá? É essa a minha pergunta. Je pense que dans toutes les cultures écrites, il y avait deux craintes contradictoires. D'un côté, la crainte, l'obsession de la perte, de la disparition, du manque. Et c'est sûrement ce qui s'est traduit à travers la figure de la bibliothèque universelle. La bibliothèque qui comprendrait tous les livres, tous les textes jamais écrits. Et depuis la bibliothèque d'Alexandrie, mythique et réelle incarnation de ce désir, jusqu'à le conte de Borges, la Bibliotheca de Babel. Et face à cette première crainte, une seconde opposée, c'est-à-dire l'idée du risque de l'excès, du désordre, de l'inutile. Et cette tension est une tension dont on peut repérer les figures historiques et, comme Guillaume Marle l'introduit, une figure paroxystique
dans le monde numérique, avec cette idée d'une sauvegarde absolue, une conservation totale, et qui peut à la fois être une ressource merveilleuse et produire l'effroi devant des données indomptables, incontrôlables. Et donc, c'est là un premier élément. Le second élément, et que, dont on voit évidemment la traduction dans le monde numérique ou digital, avec la centralité de la mémoire, ce qui fait la différence entre les ordinateurs, c'est leur capacité de mémoire. Ce qui caractérise les banques de données électroniques, c'est leur capacité de conservation. Et face à cette figure, il y a deux éléments. Un premier élément qui est technique, c'est-à-dire celui de l'obsolescence, de la disparition de données numériques. C'est un des arguments qu'avance Robert Darnton pour justifier l'existence des bibliothèques. Non seulement tout n'est pas numérisé, mais des documents qui ont été numérisés ne sont plus lisibles, soit par effacement, soit par changement des software. Et cette obsolescence dans le monde numérique, elle est très puissante. Il y a un catalogue qui a pour titre Electronic Literature Compilation et qui est un catalogue d'œuvres nées numériques, ce qu'évoquait Darnton, c'est-à-dire d'œuvres, on ne peut pas parler de livres, mais de productions symboliques multimédia. Lorsque vous lisez ce catalogue, plus de la moitié des textes ou des œuvres qui y sont mentionnés ne sont plus accessibles, ne sont plus disponibles. Il y a donc là une figure particulière de l'attention. Et philosophiquement, ce qui serait sans doute l'essentiel, que l'on trouve aussi bien dans le Borges de Funes et Memorioso ou dans le grand livre de Paul Ricoeur, Histoire, mémoire, mémoire, histoire, oubli, c'est l'idée que peut-être l'oubli est la condition de la mémoire. L'évitement de cette saturation, de ce sentiment d'un excès indomptable, passe par l'idée que tout n'a pas à être mémorisé, ou du moins peut être mis dans ce que Ricoeur appelle un oubli de réserve, quelque chose qui peut être convoqué, mais qui n'est pas une omniprésence étouffante, qui ne paralyse toute possibilité de l'initiative ou de la pensée. Et je pense que c'est en fonction de ces éléments, les deux craintes opposées de la tradition de la culture écrite, les relations entre une conservation que l'on veut universelle et, de fait, une disparition ou un effacement qui a été et qui est tous les jours constaté, et finalement, philosophiquement, cette idée que la condition de la mémoire serait l'oubli, que peut-être on peut situer la question que vous avez posée, Guillaume. C'est vrai, il y a beaucoup de pertes. Si vous prenez les pièces d'Escalus, je pense qu'on a à peu près un dixième des pièces de théâtre qu'il a écrites. On a perdu énormément. Si vous prenez le cinéma, nous possédons moins que la moitié des films produits avant 1946. On perd beaucoup de choses, c'est certain. Et dans ce moment numérique, il est certain que bien des textes seront périmés. Moi, j'ai passé 15 ans à préparer un site web et j'ai une sorte de cauchemar que ce site pourrait disparaître dans le cyberespace. Nous vivons dans un monde qui est menacé, je suis d'accord, mais je vois une autre menace qui me préoccupe davantage. C'est la menace de la commercialisation de l'accès au savoir. Je trouve Google, c'est une boîte impressionnante, même géniale, mais Google a l'ambition, non pas seulement de numériser tous les livres du monde, mais de les contrôler et de les mettre dans un monopole de l'accès au savoir.
Et ce n'est pas uniquement Google. Si vous prenez les revues scientifiques, j'y vois une série de monopoles qui apportent beaucoup d'argent à Elsevier et d'autres compagnies. Donc, cette tendance est une tendance néfaste des grandes corporations à monopoliser les nouvelles médias. Que faire pour lutter contre cela? Eh bien, il y a une autre tendance envers la démocratisation. Je simplifie, c'est vite dit, démocratisation contre commercialisation, mais en fait, c'est le cas. Et j'évoque cet idéal de la République des lettres qui vient du XVIIIe siècle, des Lumières, une République qui n'a pas de police, qui n'a pas de frontières, où tout le monde est admis. C'est une utopie qui a été très développée chez Condorcet, chez Jefferson, mais à une époque où la technologie était très limitée, à savoir la presse. La presse a imprimé pendant une époque où plus que la moitié des gens dans l'Occident ne pouvaient pas lire, et ceux qui savaient lire ne pouvaient pas acheter de livres. Aujourd'hui, nous avons Internet, et c'est-à-dire la possibilité technologique de mettre la culture à la portée de tous les êtres humains. Alors ça aussi a l'air un peu utopique, je veux bien, mais on peut le faire, et je crois que sans trop donner des lamentations sur le danger qui menace toute communication, il vaut mieux s'engager pour démocratiser l'accès à la culture. Merci. Bon, je passe à la troisième question. Une question surtout pour Danton, mais à laquelle vous avez aussi beaucoup de choses à dire, Roger. Quelle est la différence entre les interventions de la censure sur un texte et toutes les interventions d'autre nature et origine qui auront toujours été co-créatrices de l'unité d'un texte, comme par exemple la typographie, la révision, l'édition, l'impression, entre autres. Non, preciso repetir. Non, non? Bon, c'est une question importante qui concerne la nature de la censure. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui produisent un livre, un article dans un journal, etc. Roger Chartier et moi sont d'accord que, comme on dit souvent, les auteurs écrivent des textes, mais ce sont les imprimeurs, les typographes, qui produisent des livres, et pas uniquement ces gens-là, mais tout un monde de l'édition qui fait produire le texte déjà imprimé. Est-ce que ces intermédiaires jouent le rôle de censeurs? Eh bien, non, je ne crois pas, parce que je prends la censure très au sérieux. J'ai donné un séminaire à Harvard sur la censure, et on avait discuté de cette idée qui vient de beaucoup de théoriciens que chaque énoncé est censuré. Chaque acte est le produit de la censure. À l'intérieur de vous-même, vous censurez chaque mot que vous dites aux autres. Et j'ai demandé à mes étudiants des exemples de cette idée très générale de la censure, et pas uniquement Staline et Hitler, etc., mais cette censure quotidienne qui a lieu tout le temps. Exemple, porter une cravate, ou ne pas porter une cravate, donner des notes si vous êtes professeur, ou bien appeler un professeur « professeur ». Chaque énoncé est censuré,
Mais dans ce cas-là, il existe un danger d'étendre le sens de la censure jusqu'à l'infini et à trivialiser la notion de censure. Alors, dans le livre que j'ai écrit sur la censure, ce sont trois études de cas qui concernent la France au XVIIIe siècle, l'Inde britannique au XIXe siècle et l'Allemagne de l'Est communiste au XXe siècle. J'ai tâché d'entrer dans le travail des censeurs pour comprendre leur façon de penser le monde, de comprendre ce que c'est que censurer. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais quand même, j'ai trouvé, notamment dans le cas de l'Allemagne communiste, que les censeurs que j'ai connus, j'ai eu des interviews avec eux, ils étaient de bonne volonté et ils tâchaient de m'expliquer ce que c'est que la censure chez eux. Ils ont commencé d'ailleurs par me montrer au doigt en disant « Vous avez de la censure chez vous, aux États-Unis ?» Oui, j'ai répondu « Qu'est-ce que c'est ?» C'est le marché. Bon, je connaissais cet argument et j'ai répondu en disant « Je veux bien, mais vous êtes censeur vous-même. Qu'est-ce que la censure pour vous ?» Un des deux censeurs que j'ai interrogé juste après la chute du mur m'a répondu avec un mot. « La censure, c'est quoi ? » Eh bien, c'est la planification. Puis, il a tiré d'un tiroir, un document gros comme ça, c'était le plan pour la littérature allemande de l'Est de l'année 1990, une année qui n'a jamais existé à cause de la chute du mur. Il m'a donné une copie de ce document que j'ai beaucoup étudié et effectivement l'idée c'est que chaque livre doit être planifié. C'est comme dans une société socialiste, tout doit être planifié et l'État intervient pour mettre tout en ordre. Donc, il était croyant, il trouvait que la censure était positive, une façon de fabriquer une société socialiste qui était plus juste que cette société capitaliste que, à ses yeux, je représentais. Seulement, après, je suis allé dans les archives du Parti communiste en Allemagne de l'Est et j'ai trouvé les mêmes censeurs qui dénonçaient leurs collègues, beaucoup d'auteurs qui ont été envoyés en prison. Il y avait un véritable goulag. C'était un système de répression avec une police secrète. J'ai même mon propre dossier dans les archives du Stasi. C'était un système totalitaire. Donc, je reviens à la question. Pour moi, la censure est une chose sérieuse, importante, qui fait partie d'un système autoritaire. Et dire simplement que chaque mot, chaque geste est le résultat d'une censure me paraît trivialiser la notion. Donc, je suis pour une étude sérieuse de la censure où on entre dans le travail et on voit le rapport entre la production de livres, de journaux, de télévision, etc. et un système de pouvoir. Donc, je ne dis pas vraiment que le travail de l'éditeur, du typographe est une sorte de censure, bien que ça entre dans le résultat, le livre. Excusez-moi d'avoir trop parlé, mais ça, j'y tiens. Il faut prendre la censure au sérieux et l'étudier de près dans tous les détails. Oui. On peut juste faire quelques commentaires à partir de ce qui vient d'être dit. Le premier, ce serait pour replacer la question de Guyomard, c'est-à-dire effectivement les historiens, mais aussi les critiques littéraires, se sont intéressés récemment aux premiers lecteurs
mais pas le premier lecteur comme membre du public des lecteurs, mais les premiers lecteurs qui sont ceux qui interviennent sur le texte dans le processus qui le transforme en un livre. Et effectivement, ils sont nombreux, anonymes le plus souvent, lorsque les archives restent silencieuses sur leurs contributions. Mais le copiste qui met au propre le manuscrit d'auteur pour être envoyé à la censure. Éventuellement, les censeurs qui interviennent sur le texte, demandent des modifications ou suggèrent des révisions. Les décisions que prend un éditeur pour les périodes sur lesquelles nous travaillons avec Robert Darnton, il n'y a pas d'autonomie de la fonction de l'éditeur. Ça peut être un libraire, ça pouvait être un imprimeur, mais néanmoins, celui qui décide de financer la publication du livre, et qui donc peut décider sur le format, le caractère, la présence des illustrations ou non, et puis le travail de ceux qui mettent en forme le manuscrit qu'ils ont reçu, manuscrit d'un copiste, que l'on appellerait aujourd'hui copy editor, ou correcteur, et aussi les mêmes ou d'autres qui peuvent intervenir sur les épreuves une fois que les ouvriers typographes les ont composées pour qu'elles soient imprimées. Il y a donc une chaîne d'opérations, de lieux, de techniques, de savoir parfois d'erreurs ou de bévues qui fait que les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs, mais qu'ils écrivent des textes que cette chaîne d'intervention transforme en un objet imprimé. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est de savoir si dans le monde de l'édition électronique, on retrouverait cette chaîne d'intervention. Et de là, peut-être, une discussion qui anticiperait sur la distinction, souvent mise en avant, entre la communication électronique, dans laquelle effectivement l'auteur est en même temps son propre éditeur et en même temps son distributeur, et une édition électronique qui, d'une certaine manière, respecte les mêmes procédures de mise en forme, de transformation du texte pour qu'il soit un objet lisible par le lecteur. On voit donc qu'avant le premier lecteur, au sens du lecteur qui appartient au public de ceux qui ont acheté ou qui ont rencontré le livre, il y a cette série d'interventions dans lesquelles le censeur prend place. Mais comme il vient d'être dit, la censure a des aspects tout à fait spécifiques. Tous les autres contribuent à transformer, proposer, empêcher la signification du texte par leurs différentes interventions. Le censeur a évidemment un rôle plus décisif. Et on peut voir dans les travaux sur la censure soit l'insistance mise sur la contribution, c'est au moins la conscience des censeurs, la contribution à l'amélioration du texte, c'est ce qu'on peut voir dans les rapports des censeurs, par exemple au Portugal, de la Real Mesa Censoria dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ou les censeurs français, lorsqu'on lit les rapports de censure, ou ce que Robert Darnton a étudié avec les censeurs anglais ou les censeurs de la feu République démocratique allemande. Je crois qu'il y a ce côté, cet aspect-là, mais il y a aussi un aspect qui peut être plus violemment et plus brutalement répressif. Lorsque vous pensez à la censure imposée par les index, la mise à l'index, la prohibition, l'interdiction de certaines œuvres par l'Église et par l'Inquisition, tout particulièrement, il y a là des mesures très radicales qui seraient celles qui visent à la suppression totale, absolue, de la circulation d'un texte. Et la lecture des index est un document passionnant, puisque l'on voit qu'on peut interdire un titre particulier, un ouvrage, on peut interdire ce qui sont des ouvrages anonymes, parce qu'il y a une suspicion de danger, et surtout, ce qui m'avait toujours frappé, c'est qu'on peut interdire un auteur tout entier, et lorsqu'il s'agit d'auteurs encore vivants, du même coup, d'interdire les livres qu'ils n'ont pas encore écrits, mais qu'ils pourraient écrire. C'est-à-dire cette idée d'une censure d'anticipation de l'écriture à venir, mais qui est caractérisée d'emblée parce qu'elle appartient à un corpus d'un auteur qui est condamnable dans son entier. Et c'est la traduction de ces censures de papier pouvait être la violence même exercée contre les auteurs
contre les éditeurs, éventuellement contre des lecteurs qui sont emparés de ces ouvrages interdits. Et le XVIe ou XVIIe siècle sont marqués par ces condamnations et ces exécutions. Et la question qu'on pourrait poser, c'est qu'en est-il de la censure dans le monde du la communication électronique, dans le monde du réseau, dans le monde du web? Et effectivement, on peut défendre une idée selon laquelle c'est un instrument puissant contre ces censures, puisqu'il y a là une disponibilité plus immédiate, une difficulté à contrôler les communications et les échanges électroniques. En même temps, il serait malheureux de tomber dans un excès d'optimisme. On l'a vu récemment, la censure chinoise, lorsqu'apparaît le moment de l'anniversaire du massacre des étudiants sur la place Tiananmen, peut bloquer tous les moteurs de recherche qui indique un mot qui peut être lié avec cet événement. Et donc, on retrouverait l'ambivalence peut-être par laquelle on a commencé. Je ne crois pas qu'il y ait un diagnostic uniforme, univoque, que l'on peut porter sur le monde électronique. Il y a chaque fois ambivalence, ambiguïté, tension, indécision. Et dans le cas de la censure, elle est particulièrement illustrée par cette capacité de pouvoir autoritaire ou despotique à la maintenir, même pour une technique qui paraît pouvoir s'y soustraire. Mais en tous les cas, c'est un sujet, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion qui vient d'être faite, c'est un sujet très sérieux qu'il faut considérer dans ses variations historiques et en même temps que dans ses dimensions, qui sont les mêmes dimensions de celles de l'effacement radical ou de la protection de ce qui serait la liberté de création.